Salut la van life. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait pour chier dans la nature quand on vit en fourgon aménagé. Allez Gamatsu. Vous avez été très très nombreux à me demander si je pouvais faire une vidéo sur la présentation de mon fourgon aménagé. Ils disent toujours ça là, vous avez été très nombreux alors qu'en fait vous avez été deux. Donc bon, moi pour le coup il y a je sais pas 4 ou 5 personnes qui m'ont posé la question suite à la vidéo Highside où on voyait un peu l'intérieur du camion. Donc ben, je te propose de faire un petit tour du propriétaire et de voir comment on peut faire pour aménager un camion avec suffisamment de confort pour pouvoir partir en week-end, en vacances, à 2 voire 3 personnes avec un enfant, hein, pas 3 adultes, ça fait compliqué. Et en même temps, transporter une moto. On va commencer par une présentation rapide du véhicule, on va pas y passer 2 heures, hein, c'est pas le but. Alors c'est un Bête Trafic de 2008, donc Trafic 2, en L1 H1, donc court et bas. Le plus petit possible, c'était le but recherché. Sous le capot, on a un V8 4 litres 2 biturbo. On a un 2 litres DCI. À mon sens, le meilleur moteur disponible sur Trafic 2. Bon, alors par contre, celui-là de base, c'est un 90. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement le même que le 115 et qu'il se reprog très bien à 150. Donc tu te doutes bien, celui-là, il est à 150. Parce que ouais, si tu comptes faire un aménagement comme ça avec le 90 d'origine, alors déjà le camion à vide il fait 1,7 tonne. Avec l'aménagement on est à 2 tonnes, je l'ai pesé. Tu rajoutes la moto, tout le matos pour la piste, tonnelle, etc. Plus 2 personnes à l'avant, tu dois être à 2 tonnes et demi. Autant te dire qu'avec 90 chevaux et un aérodynamisme de parpaing, sur l'autoroute c'est les poids lourds qui te doublent. Là en 150 ça va, il n'y a pas de souci. 180 sur les autoroutes allemandes, ça y va. L'avantage du 2 litres, c'est que tu as systématiquement la boîte 6. La plupart du temps, il y a la clim. C'est plus rare sur les phases 1. Il y en a qui ont le régulateur, moi je l'ai pas. Bon, ça serait bien, mais il l'a pas. Hein. Donc à la base, c'était un camion d'artisan hein, que j'ai acheté à un artisan en retraite. Petit tour rapide sur l'extérieur. Bon, tu auras bien remarqué que j'ai pas pu m'empêcher de mettre une déco KTM. Hein. Ouais, je suis un fanboy, moi. Sinon, il a 4 jantes qui sont des JR3 en 18. C'était purement esthétique hein, pour pas ressembler au plombier du village. Ensuite, il y a 4 ressorts courts en moins 4. Donc ça, c'était en partie esthétique, mais surtout pratique. Hein. Le but, c'était qu'il passe sous ma porte de garage. Donc là, on est passé sous les 1,90 m. Donc je passe partout, tous les parkings souterrains, toutes les barrières. Je me suis jamais retrouvé emmerdé nulle part. Donc le cahier des charges, c'était quoi? C'était d'avoir un véhicule qui me permette à la fois de charger mes motos, que ce soit pour aller sur piste, pour partir faire des road trips à l'autre bout de la France, pour aller faire des sorties enduro, et en même temps pouvoir partir en vacances dans un minimum de confort, 2 adultes plus un enfant, pour un budget raisonnable, tout en ayant un fourgon qui d'extérieur ne ressemble pas du tout à un van ou un fourgon aménagé, t'appelles ça comme tu veux. Alors si tu dis que c'est un camping-car... Viens là toi! Aujourd'hui, j'ai les morts! Donc, ce que je voulais au minimum, c'était une installation électrique simple mais relativement complète en même temps, hein, qu'on va voir tout de suite. Une isolation et un habillage complet. Je voulais pas avoir un centimètre de dos là-bas. Minimum de rangement, de fonctionnalité, un grand lit et tout ça en permettant de rentrer une moto. Donc, ça a été assez compliqué. Et après pas mal de réflexions, ben, on est arrivé à ce résultat qui pour moi est le plus pratique et le plus complet. Du coup on est parti d'un fourgon totalement vide, hein, ancien camion d'artisan, on a tout mis à nu, constaté l'état des tôles qui était, ben, il était neuf. Parce que bon, l'avantage c'est que celui-là il était plaqué quand je l'ai acheté, donc c'était vraiment neuf en dessous. Donc on a commencé par le commencement, hein, comme dans une maison j'ai envie de dire, donc installation électrique.
Donc elle se compose d'une batterie 100 ampères à décharge lente qui est donc sous le siège passager, bien fixé, hein, avec une barre en fer là. Ça par contre, sécurité quoi, en cas de freinage ou quoi, il ne faut pas qu'elle puisse bouger. Donc ici j'ai un chargeur, un bête chargeur, hein, chargeur mainteneur de charge que je peux brancher en 220 et qui me permet de recharger la batterie quand on est en camping ou sur circuit, il y a des prises partout. Hein. Ce qui me resterait à faire dans l'idéal, c'est poser des panneaux solaires pour pouvoir rester en autonomie indéfiniment. Parce que là, si je ne me branche pas en 220 avec une batterie 100 ampères comme il y a là, on est vite limité. On va dire au bout de 48 heures, il faut soit charger la batterie, démarrer, rouler parce qu'elle commence à être en PLS. Donc pour le fonctionnement, elle est tout simplement couplée à la batterie moteur par un coupleur séparateur. Comment ça fonctionne? Quand tu démarres, le coupleur il couple ta batterie moteur à ta batterie auxiliaire, ce qui fait qu'elle est rechargée en roulant par ton alternateur. Dès que tu t'arrêtes, que tu coupes ton moteur, le coupleur séparateur il sépare les deux batteries. Donc ce qui veut dire que tout ce que tu vas utiliser comme courant dans la cellule arrière ne provient que de la batterie auxiliaire et n'impacte pas ta batterie moteur. Donc même si tu venais à vider ta batterie, ce qui est très mauvais pour la batterie au passage, tu pourrais toujours redémarrer. Donc de là, on part par une boîte à fusibles. Évidemment, il y a un fusible sur chaque ligne. Et on passe à l'arrière pour l'installation. Donc qui se compose de 4 spots que je peux allumer indépendamment, hein, 2 ou 2. Donc ici, on a l'électricité qui arrive là sur cette platine. Donc une prise allume-cigare, celle-là c'est du gros débit, hein. Je l'ai câblé en 4 mm² si jamais j'ai des gros appareils à brancher. Donc là c'est les deux interrupteurs pour les lumières. Celui-là il gère l'allumage du frigo qui est directement branché de l'autre côté. Ici un voltmètre qui te permet de contrôler l'état de ta batterie auxiliaire. Et ici c'est pour allumer tout simplement les prises USB pour recharger téléphone, tablette ou ce que tu veux. Il y a aussi une prise USB ici et c'est à peu près tout niveau installation électrique. Pour moi c'est suffisant. Alors c'est pas un fourgon pour vivre dedans à l'année, nous on s'en sert que pendant les beaux jours, les belles saisons. Donc il n'y a pas de chauffage, j'en ai un d'ailleurs qu'on m'a donné que j'ai toujours pas installé. Avec l'isolation qu'il y a, on a déjà été à la montagne par 9 ou 10 degrés extérieurs dans le camion. Honnêtement on était bien, on n'avait pas froid. Du coup on en vient à l'isolation. Donc on a isolé le plancher avec du multicouche. Sur les côtés, c'est isolé avec de la laine de verre. Et ensuite, habillage, tout fait à la main. Hein. Donc, je suis ni menuisier ni ébéniste. Donc, il y a peut-être des finitions qui sont pas parfaites. Mais là, ça fait 3 ans qu'il est fait. Il n'y a rien qui a bougé. Au niveau des rangements, ici, donc j'ai fait un placard pour pouvoir ranger donc le réchaud à gaz. Cafetière, les ustensiles, donc les assiettes, les verres. Un deuxième ici, donc ça c'est le tiroir à couvert, bon, tu peux mettre de la réserve, ce que tu veux. Donc ça ici, ça peut servir de table pour manger quand il fait pas beau dehors. Hein. Alors la pièce maîtresse de mon aménagement, hein, ça c'est un indispensable. Hein. Ça faut pas blaguer avec ça les gars. Ici à l'arrière, on a le meuble de salle de bain. Donc qui permet de ranger tout ce qui est médicaments de première nécessité, les produits d'hygiène, brosse à dents, etc. Donc même les portes sont habillées. Ici, une tablette. Du coup à l'avant, donc j'ai essayé d'utiliser au maximum la place restante. Donc on a créé un placard qui épouse la forme de la cloison. Et à l'intérieur, on arrive à stocker, ça c'est une table pliante, mine de rien, on mange à 4 dessus. Et ensuite j'arrive à rentrer 40 litres d'eau, donc il y a 20 litres en bas, 20 litres en haut. Le frigo qui s'ouvre comme ça, donc il n'est pas très grand, je crois qu'il fait 25 litres pour partir en week-end ou si tu te ravitailles assez régulièrement en bouffe, c'est suffisant, hein. Il marche super bien, ça fait 3 ans qu'il tourne là, c'est du AliExpress, je crois que j'ai payé ça 180 balles. C'est un frigo à compression en plus, donc il consomme pas des masses, il se régule dès qu'il est à température, il s'arrête tout seul et puis il se rallume comme un frigo de maison en fait. Donc sous le lit on a utilisé l'espace libre pour faire des tiroirs, donc un petit tiroir qui permet de ranger les vêtements. Un tiroir plus gros pour stocker tout ce que tu peux avoir à stocker après ça. Voilà, il y a réserve de gaz, réserve de bouffe.
réserve de vivres indispensable, on sait jamais, hein. Tu restes coincé quelque part pendant 3 jours, comment tu fais si t'as pas ta réserve de rôteuse? Donc pour ce qui est du lit, ben on a quand même un lit en 190 par 120 une fois qu'il est déplié pour un truc de vacances quoi. En gros c'est quand même pas mal comme dimension, pour dormir à deux c'est suffisant. Ensuite ce qu'on fait c'est que à l'avant ben je mets un matelas gonflable sur toute la longueur là et ma fille elle dort là, elle se régale. Alors jusqu'à l'adolescence ça va, après un adulte ça risque d'être compliqué quand même. Bien sûr on a des isolants hein, sur les carreaux qu'on met pour qu'elle soit dans le noir. C'est pour ça que ici donc j'ai créé une ouverture pour avoir une liaison entre l'habitacle et la cellule arrière. On a habillé la cloison avec de la moquette adhésive, hein. Comme je t'ai dit, moi je voulais pas qu'il y ait de tôle apparente. Les montants derrière là, ici, on les a fait de la même manière. Le sol, ben, on a fait un plancher bois qu'on a habillé avec du lino. Ici j'ai profité de la place qui restait, j'ai fait une poubelle. La porte coulissante aussi, elle a été habillée. Il y a aussi de l'isolant à l'intérieur comme dans les portes arrière. Donc on revient sur le lit, donc c'est un lit peigne qu'on appelle, c'est-à-dire que, peut-être qu'on va le voir là, ouais, voilà. Donc en fait il y a un enchevêtrement de lattes qui vont venir coulisser et te faire un lit en 120 de large. Donc ici j'ai fabriqué des verrouillages pour pas qu'il s'ouvre sur la route. Et voilà ce que ça donne. Donc bien sûr la moto elle peut pas rester à l'intérieur, hein, donc quand on est sur circuit c'est pas un souci, elle est soit dans les box ou soit ben, sous la tonnelle. Quand on part en road trip le week-end ou quelque chose comme ça, ben, la moto elle est dehors attachée à une roue du camion, sous alarme en plus, donc bon, pas vraiment de risque. Alors j'en ai vu pas mal qui cherchent à faire un aménagement où ils peuvent rentrer la moto et dormir avec. Alors si t'es tout seul, ben ouais, tu peux dormir à côté là-bas, bon, il faut aimer les odeurs d'huile, d'essence éventuelle. Après, si t'es deux, ça va être compliqué quoi, ou alors il faut s'empiler. Hein. Alors pour se laver, puisqu'on n'est pas des crasseux quand même, hein, ben, c'est un système tout con là, c'est une douchette électrique en fait. Ici, c'est un petit moteur que je viens brancher sur mon alimentation là-bas, l'interrupteur ici. Donc ça, on le plonge dans un seau qui est fourni avec, c'est un seau souple en fait. Qu'on remplit d'eau, on rajoute de l'eau chaude dedans, hein, qu'on chauffe avec le réchaud à gaz. Puis ben voilà, tu actionnes ta pompe et puis ça te sort vraiment comme un jet de douche. Hein. Donc là-bas, j'ai un rideau de douche monté sur un câble avec des aimants que je viens accrocher de chaque côté. Donc on met un rideau de douche ici en travers et on se douche là entre les deux portes. Encore une fois, hein, c'est un système qui va très bien pendant les belles saisons. En plein hiver, bon courage. Petite astuce gain de place encore une fois, parce que ben c'est quand même pas un très grand camion. Ici derrière les sièges là, j'arrive à caser 3 chaises pliantes. Donc on a la table qui est derrière, on l'a vu. Ici j'ai les chaises. J'arrive à caler aussi là-dessous, il y a un auvent qu'on met à l'extérieur, fixé sur le toit du camion. Après il y a des piquets, truc que tu trouves à Décathlon là. Mais bon, ça va super bien, hein. Ça te fait... un vrai auvent, sauf qu'il prend presque zéro place. Bon, ça ici c'est les protections pour les vitres pour la nuit. Alors j'entends déjà les vanlifers venir me dire: mais ton camion, est-ce qu'il est VASP, est-ce qu'il est VASP ton camion, tu l'as mis VASP, parce que sinon tu passeras pas le contrôle technique. Donc le camion il est passé au contrôle technique pas plus tard que le mois dernier, contrôle vierge au passage. Ce qu'il faut savoir c'est que la norme VASP, de toute façon avec un aménagement comme ça tu l'obtiendras jamais. Il y a des règles à respecter, il faut que tu aies, bon je la connais pas par cœur, mais il faut que tu aies un point d'eau fixe dans le camion, il faut que tu aies une installation de gaz, il faut que tu aies au moins une table fixe, il faut que tu aies, enfin il y a un nombre de points minimum à avoir pour pouvoir prétendre à l'homologation VASP là, donc c'est les trucs camping-car, caravane, je sais pas quoi là. Un fourgon comme ça, alors le contrôleur technique il ouvre la porte, il vérifie que les charnières, la porte elles tiennent, que ça fonctionne. Derrière pareil, il regarde même pas ce qu'il y a dedans, il s'en contrefout. Tout ce qui est là, ça peut être apparenté à du chargement. Donc déjà, le plaquage, ben, tous les camions d'artisans, ils sont plaqués avec du bois, hein, on n'aura jamais rien dit. Le lit, il est démontable, hein, il tient avec juste des crochets contre la cloison. Il suffit de le soulever, de le décaler, après je peux le sortir entier. Ce qui me permet aussi de récupérer un espace de chargement, donc ça a été conçu comme ça exprès. Et en aucun cas, ça peut être considéré comme un véhicule VASP, où on peut t'obliger à le passer VASP.
Autre point, on va me parler des aérations basses et hautes. Je vais te donner un petit truc sympa sur les Trafic 2 qui t'évitera de devoir faire des découpes dans la tôle là, et mettre des aérations de jackie là. Donc tu démontes ce cache ici. Derrière, il y a une espèce de grille avec des petits volets qui laissent sortir l'air quand tu fermes la porte. Ben ça, tu le démontes, les volets, tu les fais sauter. Et tu mets par-dessus, tu mets un bas, des collants, quelque chose comme ça pour éviter qu'il y ait des bestioles ou quoi qui puissent rentrer, bien sûr. Ça te fait ton aération. Tu fais ça des deux côtés, tu as deux aérations basses. Et ensuite, à l'avant, donc, je mets ça sur les carreaux de chaque côté. Déjà, ben, quand ma fille dort à l'intérieur, elle a des aérations. Ça communique du coup par la cloison qui est ouverte. Donc, on a aération basse, aération haute. Tout ça sans avoir des grilles apparentes là dans la carrosserie qui laisse penser que c'est un fourgon aménagé. Là, une fois qu'il est fermé, il n'est pas vitré, c'était le but recherché, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, tu n'as pas de luminosité sur l'extérieur à part ben, par là justement, hein, c'est pour ça que j'ai créé ça. Ici, on ouvre, on a la luminosité via les carreaux de l'habitacle. Après, à l'intérieur, c'est sûr qu'une fois que tu fermes tout, tu es vraiment... T'es vraiment enfermé, sauf que nous, encore une fois, on s'en sert que par beau temps, donc les trois quarts du temps, les portes sont ouvertes ou entrouvertes. On vit plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, dedans on rentre vraiment pour dormir quoi. Donc tu vois, mine de rien, dans un petit L1H1 qui est pas très gros hein, au final, l'avantage c'est que je passe partout, moi je m'en sers presque tous les jours hein, de ce camion. Donc la hauteur t'es limitée nulle part, moi il rentre dans mon garage, ça c'était indispensable pour pouvoir faire l'aménagement déjà à l'intérieur. Pour pouvoir faire mes entretiens, il faut que je sois dans mon garage. Et de toute façon, moi je préfère qu'il dorme dedans. Donc malgré sa petite taille, t'arrives à dormir à deux dedans plus un enfant, t'arrives à partir avec une moto, tu peux aller faire des journées ou des week-ends sur piste, je pars avec pour faire de l'enduro, il sert à tout, t'as tout à disposition, j'ai un frigo, j'ai des réserves de flotte, j'ai des réserves de bouffe, j'ai de quoi faire à bouffer, j'ai de la bière. Tu peux te laver, donc bon, tout a été fait au feeling, hein, comme ça, à tâtons, sans plan ni quoi que ce soit. J'y ai juste réfléchi et après ben, mis en pratique. Il y a eu des trucs pas prévus, donc ben, je me suis adapté. Il est loin d'être parfait, mais niveau rapport confort, équipement, budget, je pense qu'on n'est pas trop mal placé. D'ailleurs, ben, le budget, on va en parler. Donc pour finir, le budget, le temps que ça nous a pris pour le faire, donc en partant d'un camion vide, là tout fini comme il est aujourd'hui, ça nous a pris à peu près 2 mois, en y travaillant que le soir, après le boulot, le week-end, quand on pouvait. Niveau budget, donc moi j'avais un budget de 9008, j'ai vendu ma caisse 9008, je voulais pas rajouter, je voulais rester dans ce budget là. Donc le camion déjà, j'ai fait plutôt une bonne affaire, j'ai eu à 6800 €. Pour un phase 2 en 2 litres qui avait 170 000 km, un historique limpide et très propre. Aujourd'hui je crois que ça se trouve plus, déjà à l'époque c'était un bon prix, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui les mecs ils te vendent ça à 15 000 balles avec 220 000 km, le truc il est mangé par la rouille mais c'est pas grave. Donc 6800 €, ça me laissait 3000 € de budget pour tout l'aménagement et on est rentré dans ce budget là quasiment pile poil. Alors tout compris, hein. Moi j'avais tout budgétisé à l'avance, donc il fallait que ça inclue le prix des jantes que j'ai acheté un pote à moi d'occasion parce que neuf ça vaut une couille. Les ressorts courts, il y en a pour 200 balles mais moi c'était indispensable. J'ai inclus la carte grise dans le budget. Donc ensuite, niveau déjà budget électricité, tu en as à peu près pour 300 balles. Une batterie, ça vaut 100-120 €. Tu rajoutes les câblages, les cosses, la platine de contrôle, les éclairages, tous les petits trucs là. 300 balles, tu y es. Un frigo, on va compter 200 balles. L'isolation plus le bois. Alors aujourd'hui, les prix, ils ont flambé. Donc c'est difficile à dire, mais moi, je pense qu'on était dans les 500 €. Y compris le bois pour construire le lit. Le lit, c'est juste des tasseaux et des lattes achetées séparément, après tout coupé sur mesure. Donc à ça, tu rajoutes tout le budget accessoire, donc le réchaud, la vaisselle, table, chaise, tout ce qu'il peut y avoir dans le camion. En fait, on est à peu près rentré dans le budget en comptant fourchette large 10 000 balles. Voilà. Et bien sûr, tout ça, c'est en faisant tout soi-même, hein. Parce que si tu le fais faire, alors là, je veux même pas savoir combien ça va coûter. Bien sûr, on est loin du standing de tous les fourgons aménagés qu'on voit maintenant, là, qui sont vendus déjà pré-aménagés et tout, qui valent, je sais pas, 40 ou 50 000 balles d'occasion.
Je sais pas les prix, mais à mon avis, ouais, il me semble que c'est dans ces eaux-là. Hein. Au moins 30 000 d'occasion, à mon avis, tu trouves pas moins cher. Donc là, c'est divisé par 3, hein, le budget. Bon, évidemment, on ne peut pas se tenir debout dedans, mais par contre, moi, je passe partout. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si ça t'a donné des idées pour aménager toi-même ton fourgon, pouvoir rentrer une moto dedans tout en ayant un minimum de confort, c'est tant mieux. Et puis regarde, j'ai même des chiottes dans mon camion. Et les roues arrière sont interdites, monsieur. Allez, lâche un pouce, le matin plus petit.